Bonsoir à toutes et à tous, on est mardi, il est 18h, bienvenue dans Un Moment Geek. Salut Flo! Salut Tom, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Ce soir, on reçoit Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et qui nous regardent, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Sébastien Moreau, je tiens la chaîne YouTube Cervelle d'Oiseau. Je suis vulgarisateur scientifique spécialisé dans tout ce qui traite de l'intelligence animale, du comportement animal, beaucoup plus quand même orienté sur l'axe sciences cognitives. Même si là, par exemple, la prochaine vidéo sera beaucoup plus proche de biologie évolutive ou de trucs comme ça. Mais normalement, je suis plutôt proche de sciences cognitives. J'officie sur plusieurs médias, c'est-à-dire que je fais des conférences, je fais des livres. J'ai plusieurs livres coécrits avec des spécialistes ou des bandes dessinées qui sont vraiment réalisées en général par moi et une illustratrice. Et puis des articles à gauche à droite et la chaîne YouTube sur laquelle j'utilise énormément Blender, dont on va parler ce soir. Sébastien, est-ce que tu peux du coup nous expliquer pourquoi tu utilises Blender? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a dérapé? Ça. En fait, à la base, moi, j'ai pas du tout une formation scientifique. À la base, je suis D'accord. graphiste PAO de formation. Donc, assisté par ordinateur, c'est-à-dire, en gros, j'ai plutôt une formation, et encore, elle est ancienne, hein, c'était en 98, 97, sur tous les Photoshop, etc., etc., Illustrator, machin. Et D'accord. en revanche, depuis super longtemps, je m'intéresse à la 3D. Genre, j'ai commencé sur 3D Studio 2 sous DOS. Donc, puis après, j'ai arrêté pendant super longtemps, puis j'ai réessayé vite fait des versions d'évaluation de Maya, des trucs à gauche à droite. Et puis, quand j'ai lancé Cervelle d'Oiseau, je me suis dit, quitte à créer, parce que du coup, c'est mon activité principale, quitte à créer mon activité, autant la créer autour de ce que j'aime. En fait, la chaîne me sert en partie de prétexte à faire tout un tas de trucs que j'aime bien faire. Donc, comme j'ai des moments où je vais faire Parfait. une maîtrise, où je vais leur faire beaucoup d'animation, beaucoup de VFX, beaucoup de modélisation, trucs comme ça, en fait, les vidéos vont être très différentes de l'une à l'autre selon la crise dans laquelle je suis. Mais la plupart du temps, Blender est derrière. Et puis, ça a été pas mal une histoire d'amour, en fait, parce que je trouve Blender hyper simple d'accès. Comme je disais, il y a une communauté qui est géniale autour. Donc, si tu as besoin d'aide, tu peux le trouver. Mais en réalité, tu as tellement de tutos sur Internet. Moi, c'est simple. Le soir, avant, je lisais tout le temps un bouquin. Maintenant, le soir, je regarde entre 1h30 et 2 heures de tuto dans mon lit avant de me coucher de Blender. Et ça fait quasiment 2 ans que je fais ça. Et je n'ai toujours pas épuisé ce qu'il y a dessus. Ah ouais. Pour en faire vite fait le tour. Quand on ouvre un projet, on a toujours le choix entre général, qui va être l'écran qu'on a là, 2D animation, donc ça vous en avez déjà parlé, mais en fait Blender a une interface pour faire de la 2D sur laquelle il travaille pas mal à l'heure qu'il est, Oui. qui est le Gris Pencil, qui peut carrément se lier avec de la 3 dimensions. Donc là, on a du Gris Pencil, donc je peux dessiner sur l'écran, mais à savoir que le truc est en 3 dimensions. C'est ça. Ça, Et c'est ce donc je qu'on avait peux vu avec changer Oxane. les angles. Ouais. Oui, probable. Ouais, il y a moyen de faire. Honnêtement, rien que ça, déjà, tu dis, OK, attends. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, la façon dont Blender gère la 2D est super intéressante. Par exemple, donc ça, c'est un protocole que j'ai mis en place pour montrer la façon dont on enseigne aux abeilles à faire des choix dans des labyrinthes. D'accord. Donc celui-là, en l'occurrence, il n'est pas vide. Voilà, ça, c'est un Gris Pencil, par exemple. Au début, je faisais tous les petits dessins comme ça, qui étaient en fait des dessins en 2D. Ça, c'est juste deux cercles en deux dimensions qui ont été faits sous Gris Pencil et qu'ensuite on intègre sur les modèles 3D. Donc on peut tout à fait plaquer des dessins sur des modèles 3D. Enfin, ça ouvre un nombre Ouais, d'hypothèses assez. on peut faire les choses autrement, quoi. C'est un peu comme on le sent, on utilise les outils comme on a envie. Et puis en toute honnêteté, je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre logiciel qui permette de faire ça en vrai. De combiner le 2D et la 3D comme ça? Ouais, je ne suis pas Bah, pas à ma sûr. connaissance, mais. Non. Je pense qu'il n'y a que Blender qui fait ça. Après, donc, il y a tout ce qui est sculpte, mais bon, ça, on le voit dans le général. Blender est vachement intéressant pour faire des VFX aussi, parce que souvent, on ne le sait pas, mais en fait, Blender a carrément des outils de tracking. On peut directement importer une vidéo et puis, en fait, lancer du tracking dessus. Voilà, ça, c'est une vidéo que j'avais fait sous Blender et After Effects. Et par exemple, si je veux mettre un suivi sur, je sais pas, l'œil, par exemple, hop, Ouais. clac. Bon, c'est pas absolument pas ce que je voulais faire. Et ensuite, on peut tout à fait lancer les trackings. Voilà, ça va trop vite pour ça, mais
On va voir qu'au Ça début, va suivre l'objet. il va suivre. Là. Normalement, il n'y a pas de réglage à faire, là, je ne le fais pas. Mais en fait, Blender peut faire du motion tracking de manière hyper poussée. Et quand je parlais d'Yann Hubert tout à l'heure, Yann Hubert a vraiment fait des trucs qui sont dignes au niveau effets spéciaux. C'est digne d'un Loki ou un machin comme ça, la série Disney Loki. Et il a tout fait à partir de Blender avec des motion tracking comme ça, avec de la projection. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien faire un modèle, enfin, traquer une vidéo comme ça. Ensuite, la caler dans une scène 3D dans Blender, et ensuite refaire les montagnes et tout, et projeter la texture dessus, et ensuite bah, rajouter des vaisseaux spatiaux dessus, etc. C'est assez. Blender peut vraiment faire du motion tracking et du compositing, c'est-à-dire que là-dedans, après, je peux importer les images que j'ai utilisées, que j'ai rendues, et il y a tout un tas, bon voilà, j'en ai pas qui sont ouverts, mais on peut faire tout un tas de trucs de compositing, genre modifier les couleurs, faire du fond vert. On peut très bien faire du fond vert sous Blender. Moi, le truc que j'ai fait en VFX récemment, dessus, c'est. Alors, la vidéo, je vais vous mettre à l'écran. Elle est où? VFX, c'est on est d'accord, c'est effets spéciaux vidéo. Ouais, effets spéciaux, tout ça. Ouais. Et moi, j'ai fait ça donc en compositing. Là, c'est vraiment du Ce Blender. ne sont pas des. Ça, c'est ce que j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc, en fait, là, on a le cerveau qu'on a vu tout à l'heure exploser avec le crâne. Ouais. Là, en fait, Donc. on a ma tête qui a été refaite. En fait, ce qu'on voit là, en gros, il y a une simulation de tissu. En fait, Blender peut faire plein de simulations. Donc là, c'est Ouais, il y toutes a les zones. un moteur physique très très costaud. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on a, par exemple. Là, on va avoir tout ce qui est les trucs physiques. Donc, on peut faire des champs de force, on peut gérer les collisions, faire des simulations de vêtements, des simulations de tissus. C'est précisément ce qu'on a sur le visage. En fait, les visages explosent comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un champ de force au milieu qui est très puissant. Et le visage, à la base, a en fait été découpé. Je vais revenir en arrière. Clac. Je vais l'isoler. Comme ça, on verra. Non, c'est pas ça que je voulais isoler. Comme ça, on verra que lui. Et là, on va voir à quoi ressemble le visage avant d'être découpé. Voilà, ça, c'est le visage avant la découpe. Et donc, en fait, j'ai coupé dessus. Il y a un outil dans Blender qu'on appelle l'outil couteau, dans lequel on peut couper. Et donc, je l'ai coupé. J'ai dit à Blender, ça, c'est un tissu. Et ensuite, j'ai mis un champ de force très puissant dedans qui l'a fait ouvrir. Et c'est comme ça que le truc Et explose. du coup, ça, tu l'as fait parce que tu connais tellement bien le truc que tu t'es dit, tiens, ça doit marcher, ou t'as dû trouver un tuto pour Il y a t'accompagner pour un faire ça? excellent tutoriel pour faire ça. D'accord. J'ai plus le nom du gars, mais en fait, c'est en voyant son tutoriel, je me suis dit, je veux absolument faire ça. Ouais, moi, Génial. c'est souvent un truc auquel je suis confronté quand j'essaie de faire quelque chose sous Blender. C'est ok, je sais vaguement que c'est possible. Par contre, il y a tellement de manières de réfléchir et de penser et d'utiliser les outils dans Blender que moi, j'ai du mal, je le maîtrise pas du tout assez pour tout seul prendre la bonne décision de comment faire un truc. J'ai vraiment besoin de trouver des tutos pour l'instant. Bah après. Le problème, c'est que dans un logiciel aussi large, c'est un peu obligatoire, en vrai. Parce que si tu veux vraiment le maîtriser à bloc, ben, il faut passer ta habitude. En fait, Blender a plusieurs aspects, c'est-à-dire tout ce qui va être l'aspect de modélisation. Donc, en gros, chaque objet va avoir plusieurs modes, c'est-à-dire un mode objet, un mode edit, un mode on peut sculpter, on va le voir après, et ensuite, on a différents trucs de peinture ou de la texture. Et par exemple, on peut très rapidement avec Blender, quand on connaît un petit peu les. Blender, c'est un logiciel qui marche beaucoup raccourci. Ouais. Si on connaît les raccourcis, on peut vraiment rapidement faire des trucs qui peuvent être assez sympas. D'accord. Toi, tu fais de... Voilà, là, je le fais tout. Après, honnêtement, c'est ici, par exemple, là, ce que j'utilise, c'est ça, Extrude et Inset. En gros, il y a deux grands types de modélisation. Il y a ce qu'on appelle le hard surface, c'est-à-dire ça, et plutôt tout ce qui va être organique, qui va traiter du sculpte. Juste là, en fait, juste avec ça, on a déjà accès à de nombreux. Ouais, je peux ouvrir mon modèle, je peux décider Ah ouais. de le refermer, par exemple. Et puis, alors, donc, on peut accéder soit au vertex, c'est-à-dire les points, comme la plupart des Ouais. logiciels, Au soit bord. aux arêtes, soit directement aux faces. Et tu peux aussi facilement reconstituer une face, un bord D'accord. ou quoi en Exactement. fonction des points que tu choisis. C'est-à-dire, par exemple, là, si je m'en mets en mode, si je sélectionne les deux. Là, je relis les deux en appuyant sur F. Ouais. Et ensuite, hop, je ferme ma face. Hop, je ferme ma deuxième face. Merci, bonjour. Ma forme est faite. Génial. Et en fait, D'accord. Blender a à l'intérieur tout un tas de plugins déjà installés dans le logiciel qui permet de faire plein de trucs du genre, par exemple, là, hop, je peux faire un cercle. Et voilà comment tu peux faire une coupure en. Oula, c'est dégueulasse. Voilà comment tu peux faire une coupure en cercle facilement à l'intérieur d'un D'accord. code juste en 20 secondes, en fait, quoi. Ouais, puis avec la molette de la souris, tu choisis le nombre de points, Ouais. le nombre de découpages de segments. Et du coup, tu peux faire un cercle plus ou moins cercle. Plus ou moins Ouais. hexagone, On est en en rond-doré. matière, ou même C'est des pas choses cercle difficiles. du tout.
Ou pas cercle du tout. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu manipules Blender? J'ai dû commencer la transition avec Cinema 4D il y a 2 ans, à peu près. Il y a 2 ans. Ouais. D'accord, donc c'est relativement récent, je trouve. Honnêtement, la courbe d'apprentissage du Blender est assez rapide, hein. Et ce qui est bien, c'est que donc là, on est en train de travailler dans ce qu'on appelle des modes destructifs. Mais Blender peut travailler aussi avec des modifieurs qu'on a ici, qui permettent par exemple de faire tout un tas de trucs comme ça, boum, 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 boum. Là, hop, Okay. Ah ouais. plein de modèles, pou, 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 plein de fois mon modèle. Et si ça ne m'intéresse plus, je me dégage. J'ai rien perdu. Mais surtout, maintenant que par exemple, j'ai toute une série qui en fait, c'est des répétitions du même objet, tout ce que je vais appliquer là, va s'appliquer sur les autres. D'accord. On a tout un tas de modifieurs qui peuvent se mettre là. Par exemple, on va avoir les trucs comme la multi-résolution, c'est-à-dire que installé comme ça, bah, on a un certain nombre de faces. Et puis, si on a envie de travailler avec plus de faces, on peut sous-diviser, sous-diviser, sous-diviser. Ah, et puis ça l'arrondit du coup, ouais. Ça devient de la Exactement, poterie. ça va l'arrondir, ça rajoute, on va dire, de manière procédurale, un certain nombre de faces qui fait que si j'apporte des modifications, ça sera automatiquement retransmis. C'est un truc qui, en sculpte, va être pris en compte. Hop, si je rattaque à zéro, par exemple, imaginons que j'ai un cube. Mon cube a donc un nombre de faces. Poum, 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 j'en ai pas plus. Clac. Bon. Si je veux sculpter ça, bah en fait, je peux sculpter que là où il y a des points. Donc en gros, bah, c'est mieux. Je peux juste écarter les points, quoi. D'accord. Pour pouvoir sculpter avec plus de points, il faudrait que, par exemple, Il faudrait subdiviser tout faudrait ça. que voilà, je fasse un nombre de subdivisions complètement ouf. Voilà. Ouais. Et là, déjà, si je repasse en mode sculpte, je vais pouvoir sculpter un peu mieux. Ouais, Et ok. plus je vais rajouter de faces, plus je vais pouvoir sculpter en détail. Ouais. Voilà. Ça marche comme ça tout le temps. Hein, tout le monde. Et donc, bah, Blender a justement ce multi-res. Alors, il y a le subdivision de surface aussi qui est ça, mais le multi-res est mieux parce que je peux vraiment diviser plein de fois sans que ça tire trop sur les performances, parce que quand je bouge, en fait, il repart sur les anciens. En fait, tant que je ne sculpte pas, il garde l'ancien nombre de faces. Et dès que je sculpte, il prend en compte le nouveau nombre de faces. Et donc, ça, c'est bien parce que bah, si jamais ce que j'ai fait me plaît, je peux l'appliquer. Et à ce moment-là, Il on fait voit les que faces. j'ai Oui, là, il va commencer Ouais. à galérer. Voilà. Mais si je n'ai pas D'accord. envie, je peux faire ça. Et si je ne veux pas que ma navigation rame, je peux très bien dire, bah, dans le viewport, je vais être sur mon nombre de base. Ah, Mais maintenant, ça si je fais rend un le rendu, travail plus compliqué, mais. le rendu, en revanche, utilise toutes les subdivisions. Alors, on peut faire du texturing sous Blender. Quand on a fait un objet, on peut dire à Blender, bon, bah, maintenant, je voudrais faire des textures avec. Donc, pour faire des textures, normalement, il faut d'abord faire ce qu'on appelle du unwrapping sur le logiciel. Moi, c'est un truc que je fais pas mal. Je suis souvent amené à faire, je déteste parce que je le fais sur des trucs organiques et c'est chiant. C'est dire, par Sûr. exemple, tu vas le couper ici. Et donc là, on a la forme du patron. Par exemple, cette face-là, si je dessine sur cette face-là, ça va dessiner, par exemple, sur cette face-là. Si je dessine sur cette face-là, ça va dessiner sur une autre. D'accord. Ouais, sur un cube, c'est relativement facile à comprendre. Des fois, t'arrives vite à des choses incompréhensibles. Ah, voilà. Donc, ça, c'est une texture où tout à l'heure, on parlait de la découpe, justement, pour faire la découpe du modèle. C'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est là où je dis à Blender, il faut que tu découpes à ces endroits-là, à des endroits où ça ne se voit pas trop, parce que dès que vous avez une texture qui est très, très marquée, bah, en fait, ici, la plupart du temps, entre là et là, la texture va avoir une coupure au milieu, ça se verra. Et ça, c'est un enfer sur les modèles organiques, parce qu'il faut réussir à faire les coupures à un endroit où ça ne se voit pas trop. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Par exemple, on voit ici la façon dont a été découpé le modèle. Donc ça, en fait, ce qu'on voit ici, c'est ça mis à plat, Ok. en gros. Voilà. Et Oui, et là on comprend beaucoup moins facilement qu'avec le cube, effectivement. Et du coup, le cachalot, tu l'as fait en le sculptant? non, le cachalot est entièrement en box modeling. C'est-à-dire, voilà comment ça fonctionne. On divise le truc en deux parties. On supprime la moitié pour faire ensuite un miroir, comme ça évite de faire le truc deux Ouais. fois. Clac. Ouais. Et ensuite, je vais importer une image de bestiole en arrière-plan. Par exemple, le cachalot. Voilà. Par exemple, je vais prendre le cachalot comme ça. Ouais. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est. Donc tu vas te caler à l'image, c'est ça? Ensuite, je vais me caler sur l'image. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'au départ, je vais faire, par exemple, hop, ça, je vais le caler là. Je le cale grosso modo sur la bestiole. D'accord. Et ensuite, comme tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai des automatismes avec les raccourcis, c'est qu'on va faire extrude,
Donc, Et ouais, X, hop, ensuite, je d'accord. sélectionne, je mets là, hop, j'extrude, je fais clac, clac. Et ensuite, si je mets un peu le même truc que le multi-res, c'est-à-dire ce qu'on appelle, qui est son petit frère, le subdivision surface, qui en fait prend chaque point et en gros, ça divise par deux. Ouais. En fait, ça va faire une forme arrondie comme ça. D'accord. Et tu vas pouvoir ajuster. Et après, je vais travailler sur cette forme, tu vois, je vais apporter des trucs. Et ensuite, bah, je vais, par exemple, là, je vais me dire, bon, bah, en général, je fais beaucoup de poissons, de trucs comme ça. Je sais qu'en général, bah, tout ce qui va être cette ligne-là, elle va être plutôt rangée. Tout ce qui va être en bas, ça va être plutôt rangé aussi. Donc là, on va commencer à avoir une forme plus D'accord. arrondie comme ça, etc. Génial. Et par exemple, après, je peux monter mes subdivisions, un peu comme le multi-res de tout à l'heure. Ouais, là, t'as plein de Après, je peux faces maintenant. exécuter sur mon modèle. D'accord. Tac. D'accord. Voilà, après je sculpte, hop, je fais ça, machin, etc. Et ensuite, tout ça, vu que ça prend beaucoup de mémoire, Ouais. Blender permet de le transformer en texture. Et donc de faire semblant qu'à des endroits, il y a de la rondeur là où il n'y en a pas. En fait, ce que vous voyez là, vous voyez tout ce qui a l'air d'être tout ce qui a l'air d'être des trucs, genre une morsure de poulpe ou des trucs Ouais. comme ça ici, en réalité, ces choses-là n'existent pas. En réalité, ça, c'est une texture qui, quand la lumière tape dessus, dit. Décale-toi un peu comme ça pour faire comme si c'était en relief. Vous voyez, tout à l'heure, j'expliquais qu'on ne pourrait pas, normalement, avec aussi peu de face, avoir des effets aussi fins. En fait, il n'y a pas de face. Mon modèle, il est tout à poil, il n'y a rien dessus. Ce qui fait que ça, ce n'est pas demandeur du tout pour l'ordinateur. D'accord. Ça, bah, il a combien de faces? Hop. Il a 488 faces, ce qui est très peu. Hein, quand vous faites des sculptes, vous montez à plus d'un million de faces. Si on veut te lâcher à l'heure, là, est-ce que tu as un ou deux derniers trucs que tu voudrais montrer sur lequel tu as fait l'impasse pour l'instant? Ouais, éventuellement des scènes complètes. En fait, je peux montrer comment je l'ajoute dans mon taf. Voilà, par exemple, là, c'est un protocole assez complexe avec des rats. Je Et vous amène dans une nouvelle maison. ça me permet de Au mettre carrément les début, gens à vous l'intérieur entrez du un truc. peu dans le hall d'entrée, D'accord. que vous preniez vos marques. Et ça, Là, c'est quelque chose que évidemment, j'essaie de faire de très plus en agréable, plus, mais vous c'est-à-dire de allez montrer aux être gens vraiment à quoi ça reçu ressemble avec des si commandes. on Je était vous l'animal en présente question l'animal pendant le test. en question. Ensuite, je vous fais entrer dans la salle d'accueil et Génial. immédiatement dans la salle de sélection. Et c'est quelque chose qui est vraiment sympa parce que ça permet de bien comprendre comment les choses se déroulent. Ou alors carrément de le présenter de manière un peu fun. Que Blender en fait permet typiquement si je voulais faire des effets spéciaux de filmer un truc en extérieur, de faire du tracking avec le truc qu'on a vu tout à l'heure, Et de gérer la d'ajouter. couleur là-dedans et de réimplémenter des objets 3D par-dessus sans jamais Ouais. sortir de Blender. Donc Très clair. ouais, ça fait un logiciel qui est très très complet et il y a tout un truc d'animation qui est assez complexe dans lequel du coup je vais pas forcément rentrer parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais qui permet de faire des cycles de marche comme celui qu'on a là. D'accord. Tu Reprends. passes combien de temps sur une vidéo? Parce que Ouais, c'est ce que c'est j'avais demandé aussi. Hein. énorme le travail En qu'on voit là fait, pour. c'est hyper variable parce que, comme je disais, ça va dépendre de mes phases. Par exemple, la phase où ma tête explose de tout à l'heure, c'est complètement scandaleux parce que ça a retardé d'une semaine la sortie de la vidéo. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que ça a pris une semaine à faire. Je vais vous montrer une anime complète que j'ai faite, qui est l'introduction d'un nouveau format que j'ai lancé. Ça. Et du coup, Génial. le truc qu'on voit là, c'est ce qu'il y a ici en fait. Et on peut tout à fait avec Blender faire des effets à la Ghibli. Ouais, mais l'animation derrière, t'as pas mis un quart d'heure là. Non, là, du coup, on a tous les effets d'animation, c'est le stretch, boring, avec des effets de particules, tout ça. Non, mais ça n'a pas été si long que ça. Ça a dû me prendre un jour et demi, 2 jours à faire l'ensemble. Donc voilà, un peu, moi, ça me sert un peu à faire les intros, mais en vrai, c'est aussi vachement de plaisir. J'aime vraiment beaucoup faire de la 3D. Et l'avantage de Blender qui est hyper polyvalent, si tu as envie de t'axer vraiment sur de la texture, comme c'était le cas quand j'ai fait le cachalot, bah, tu vas pouvoir vraiment passer beaucoup de temps sur une texture et faire des belles textures. Si c'est l'animation que tu as envie de faire, bah, tu vas passer beaucoup plus de temps sur une animation et faire un truc comme ça. Et en fait, tu n'es quasiment pas limité dans ce logiciel. Ouais. En fait, chaque logiciel de l'industrie est hyper spécialisé. C'est-à-dire, par exemple, Maya est hyper spécialisé sur l'animation. Max est beaucoup plus spécialisé sur le hard surface, sur tout ce qui va être les architectes, l'architecture, la publicité de voitures, de trucs comme ça. Houdini va être totalement basé sur les simulations. Marvelous Designer uniquement sur les vêtements. Et D'accord, ouais. ZBrush uniquement sur le sculpte. Et en fait, bah Blender, il fait tout ça. Alors, il ne le fait pas aussi bien que tous, mais il fait tout. Et de manière libre, gratuite, etc. Ah, Et, c'est l'avantage-inconvénient c'est. d'un truc comme ça qui est libre, quoi. C'est que t'es pas spécialisé, mais par contre, ça donne accès à ces choses-là à tout le monde. Extrêmement impressionnant.
Bah, merci, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de nous montrer Blender. On a fait un sacré tour du propriétaire, j'ai l'impression. Oui. Bonne soirée alors. Salut encore. Merci beaucoup.